Tiens Connard est un livre qui raconte l'histoire de deux hommes qui sont enfermés dans une cave et il y en a un qui est en train de torturer l'autre de manière extrêmement détaillée, méticuleuse, et puis c'est une torture disons qui dure longtemps et qui visiblement fait mal. Mais ce qu'il y a d'étrange, il y a une sorte d'effet de décalage dans le roman, c'est que les deux hommes visiblement ils ont l'air d'être tout à fait d'accord sur les raisons pour lesquelles cette torture se produit. Ils se connaissent visiblement assez bien, ils savent beaucoup de choses l'un sur l'autre, et puis ils ont l'air d'être d'accord sur ce qui est en train de se passer. Et puis peu à peu, au fur et à mesure du roman, on va pas apprendre pourquoi est-ce que ça se passe, mais on va savoir, disons, où est-ce que le protagoniste qui torture l'autre va chercher les idées qu'il a pour faire subir ça à son patient quelque part. C'est un huis clos qui se passe dans ce qui se révèle assez vite être une bibliothèque qui est remplie de très nombreux livres, mais en fait il n'y en a que trois. C'est trois livres multipliés à l'infini. Et assez vite, visiblement, il est clair que celui qui torture l'autre va prendre ses idées dans les bouquins qui sont autour de lui. Voilà, il ouvre le livre, il y a ça, telle ou telle page, il y a ça dans tel ou tel volume. Et puis à certains moments, celui qui se fait torturer dit non mais ça t'as pas le droit, c'est dans aucun livre, comment tu peux te permettre? Ah je m'excuse, j'ai pas pu m'empêcher, je voulais essayer. Pardon. L'intérêt du texte réside dans le fait que on n'a pas le nez comme ça dans les tortures qui sont en train d'être faites. C'est pas un roman d'horreur, c'est pas un roman noir, mais disons il y a beaucoup d'humour qui est amené parce qu'il y a beaucoup de parallèles, beaucoup d'autres textes sont convoqués, sont invités, il y a beaucoup de clins d'œil littéraires comme ça. On prend beaucoup de distance avec ce qui se passe en fait, et tout ça se passe de manière un petit peu de manière amusante. C'est très gentleman quelque part. Et alors oui, il y a un rapport très, très corps à corps avec la littérature au sens propre, parce que c'est une torture, et puis dans le déroulement de la torture, il y a toute une série d'autres auteurs qui sont convoqués. Il y a des références à des contes, il y a des références à des auteurs contemporains. Et puis, de manière extrêmement, extrêmement modeste, il y a tout un cheminement dans le texte qui est une sorte de réflexion par rapport au travail de l'auteur, en quoi est-ce que ça l'implique en tant que personne, physiquement. Moralement, émotionnellement, et puis aussi en arrière-fond, et c'est une sorte de surgissement comme ça à la fin, il y a le rapport de l'auteur avec sa famille aussi. Au niveau du temps qu'il consacre à écrire, du temps qu'il consacre aussi à sa famille, il y a une sorte de question qui est posée, il y a un reproche qui lui est fait. Et à la fin, le huis clos éclate complètement. J'ai rarement une idée préconçue, voilà, avec un scénario en tête. J'ai des idées de scène parfois, mais disons, quand je commence à écrire, les idées viennent assez rapidement, vraiment, un mot on appelle un autre. Et là, en l'occurrence, j'ai écrit ce livre pendant un atelier d'écriture que j'ai fait avec Philippe Dian au printemps dernier à Genève. Et puis, le départ, c'était simple. Il a dit, voilà, écoutez, l'exercice, c'est vous écrivez l'amorce d'un roman. Donc pensez vraiment à ce qui va accrocher le lecteur. Et tout de suite, j'ai eu la première phrase. J'ai trouvé amusant de commencer avec longtemps après, comme si le lecteur était d'entrée de jeu privé de quelque chose. On commençait quelque part par une ablation. Il y a un truc avant, c'est quoi? Et puis voilà, un type plante un couteau dans le ventre d'un autre. Et je trouvais que c'était amusant, c'était accrocheur, et puis c'était un peu dans le style que j'aime bien. Et puis j'ai commencé à écrire une première scène où voilà, le type torture l'autre, puis à la fin, il lui demande alors, tu vas tenir le coup? Et celui qui se fait torturer lui répond, et toi, est-ce que tu vas tenir le coup? Et ça commence comme ça. Et puis ensuite, voilà, j'ai fait un premier jet qui faisait à peu près 80 pages, et puis ensuite j'ai commencé à retravailler dessus en insérant les éléments qui m'intéressaient, tout le rapport à la littérature. Et puis dans un troisième temps, quand j'ai travaillé avec mon éditeur pour amener encore le livre vers une fin plus ouverte, plus positive, plus généreuse.